Votre locataire refuse de sortir de votre logement à la fin de son contrat ou ne paye plus son loyer? Restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Avant d'en arriver là, vous devez, vous ou votre agent immobilier, vous assurer de la solvabilité de votre futur locataire et de mener une diligence raisonnable. Cela passe par demander un certificat de salaire, le faire vérifier auprès de son employeur et demander un contrôle rigoureux de ses antécédents. Soyez clair dans vos termes et conditions dans le contrat de location et sur les conséquences en cas de loyer impayé. Demandez un dépôt de garantie, des chèques post-datés pour les paiements en plusieurs fois. Très important, ayez une bonne relation avec votre locataire, prenez de ses nouvelles de temps en temps et communiquez principalement par email. Si malheureusement les paiements ne sont pas honorés ou que le locataire refuse de quitter le logement, voici les démarches à suivre. La première étape, contactez-le. Informez d'abord le locataire de son obligation de payer le loyer, idéalement par écrit. Cela peut souvent résoudre le problème rapidement. En deuxième étape, émettre un avis légal. Si le paiement n'est toujours pas effectué, envoyez un avis légal de 30 jours pour lui demander de régler son loyer dû. Il est crucial que cet avis soit notarié pour confirmer son authenticité et envoyé par courrier recommandé pour assurer sa traçabilité. Cela montre votre engagement, tout en donnant au locataire une chance de régulariser sa situation avant d'escalader davantage le conflit. Enfin, le Rental Dispute Center. En absence de paiement suite à l'avis légal, adressez-vous au RDC qui traite les litiges entre le propriétaire et le locataire à Dubaï. Le RDC organisera une audience sous 1 à 2 mois pour entendre les deux parties et, en cas de décision favorable au propriétaire, pourra ordonner le paiement du loyer impayé et des frais légaux. Si le locataire ne respecte pas cette décision, le RDC pourra émettre un ordre d'expulsion. Toutes ces étapes peuvent être réalisées par votre property manager ou votre agent immobilier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur dubairealestate.net.